Ici, comme tu peux voir, j'ai quatre anneaux qui sont par-dessus, que je souhaite que chaque boucle se retrouve les uns et sur les autres. Je fais commande A pour pouvoir tout sélectionner, j'appuie sur la touche S pour pouvoir activer l'outil forme, et je clique ici qui s'appelle créer une forme à partir des zones sélectionnées. Maintenant, pour ce faire, je vais tracer du début à la fin, c'est-à-dire du point A à un point B, et je relâche. Je fais la même chose ici, et regarde ce qui se passe. Voilà, c'est assez simple. Ensuite, je souhaite de mettre de la couleur sur chacune de ces cercles à l'intérieur. Alors, pour ce faire, je sélectionne une partie de ce cercle, je maintiens sur la touche majuscule pour pouvoir créer une autre sélection pour pouvoir tout sélectionner, et je choisis une couleur. Ici, je sélectionne celle-ci, et si tu regardes bien, c'est sélectionné en bleu. Ça veut dire que ça a été sélectionné, et c'est cette partie-là qui sera appliquée. Si je mets une couleur, je te montre. Tu vois? Donc, si je veux garder cette partie basse et la partie de le côté, je sélectionne maintenant la touche majuscule, je sélectionne, et à ce moment-là, je peux changer de couleur. Et c'est la même chose ici. Ici, tu vois, tout est sélectionné en bleu. Je change de couleur. Rien de compliqué.